ne t'excuse jamais de faire ce qui marche. Tout au long de sa carrière, Stephen King a été pris de haut par le milieu littéraire. On lui reprochait de faire dans le gore, dans le spectaculaire, dans le populaire, de tout faire pour produire des best-sellers. J'imagine qu'il en a souffert. Quand on lit sa biographie, on comprend qu'il ne se perçoit pas comme un simple vendeur de livres. Il aspire à être un grand auteur, dans la lignée de ceux qui l'avaient inspiré. Malgré le mépris, il eut la force de caractère de ne pas changer son style, de ne pas chercher à plaire à ceux qui le rejetaient. Il a su, roman après roman, continuer de donner à son public ce qu'il aimait. La réussite, ce n'est pas simplement comprendre ce qui marche, c'est continuer de le faire malgré les critiques. Ne t'excuse jamais de faire ce qui marche. Le succès n'est pas sale. C'est la jalousie qui l'est. Et n'oublie pas que tu peux recevoir gratuitement ma leçon de rhétorique mensuelle.